8-12 ans, découvrir le monde. C'est le temps des grands questionnements. L'enfant maintenant doit comprendre le monde qui l'entoure et son fonctionnement. 8 ans, c'est l'âge de la socialisation. L'enfant commence à se faire des copains. Apparition de la pudeur ou du dégoût, découverte du corps et de l'intimité. Les filles papotent et les garçons jouent en secret. L'enfant a envie de comprendre le monde. 9 ans, c'est l'âge où l'enfant s'identifie au groupe de son âge et commence à se détacher de sa famille. C'est le début de la ségrégation garçon-fille. 10 ans, c'est l'âge où l'enfant se trouve un idéal. Il est en admiration pour une star ou une personne. Il accorde beaucoup d'importance à son groupe. Il accorde aussi beaucoup d'importance aux amis avec qui il partage des secrets. À 11 ans, c'est l'âge où il est rempli d'émotions. Les relations avec les parents deviennent difficiles. Impression d'être toujours critiqué et d'être dans l'exagération. Cris, discussions houleuses. Sentiment d'injustice. Ce sont les prémices de l'adolescence. Il faut accompagner et aider son enfant à grandir, car c'est nous, parents ou adultes, qui leur donnons les bases et les influences qu'ils ont dans leur comportement. Chaque enfant est bien sûr différent, et pour une bonne partie, nous reproduisons notre vie sur celle que nos parents nous ont appris et de manière où nous avons été éduqués. Accepter d'être des parents imparfaits et ne pas oublier que la perfection est source d'angoisse pour un enfant. Conclusion, utilisez votre bon sens, tout n'est pas inscrit dans les livres. Voilà, c'est bien la phrase de bon sens. C'est vrai que parfois les parents oublient en fait le bon sens et en même temps c'est pour ça aussi qu'ils sont là aujourd'hui et qu'ils ont travaillé là-dessus. C'est qu'à un moment donné, ils posent parfois des questions aux professionnels, alors que la réponse est les parents les ont. Et parfois, ils viennent chercher chez le professionnel une réponse, alors que la réponse, ils l'avaient. Et c'est ce qu'on verra aussi dans certaines questions tout à l'heure. Merci.